Lorsque j'ai gradué le lycée, mes parents étaient énormément contents. Bien sûr, comme tous parents, ils étaient contents, mais ils étaient aussi plus contents parce que j'avais reçu une bourse complète pour aller continuer mes études à l'université. Je me rappelle le jour de ma graduation, lorsque j'ai complété le lycée, ils ont invité l'ami de venir à la maison. On a mangé du poulet de papaye avec des French fries de McDo. Et tous les amis qui venaient à la maison les disaient, ça c'est mon fils, il va aller étudier à l'université, il souhaite devenir ingénieur. Donc si vous connaissez des gens qui travaillent en tant qu'ingénieur, il faut le lui présenter. Et leur objectif, c'était qu'on me présente aux gens qui ont fait des études pour devenir ingénieur, pour que je puisse apprendre d'eux et commencer à construire les connexions. Hein, parce que networking est très important, hein, surtout dans la vie professionnelle et dans la vie en général. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ et sur cette chaîne nous parlons business, entrepreneuriat, comment assurer sa retraite à l'étranger et au pays, de l'immigration, des boulots lucratifs ici aux États-Unis et un peu partout et de bien d'autres choses. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous encourage à vous abonner et d'envoyer mes vidéos à toute personne que vous connaissez. Dans cette vidéo, c'est la deuxième partie de mon expérience à l'université. J'ai fait la première partie dans laquelle je parlais de mon expérience au lycée. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous encourage de la regarder et de la partager aussi. Lorsque la rentrée scolaire a commencé, mes parents m'ont conduit à l'université. Et pour ceux qui ne le savent pas, ici aux États-Unis, lorsque vous êtes en première année à l'université, vous êtes obligé de vivre au campus. Bon, ça c'était comme ça par le passé avant que la pandémie. Maintenant, je ne sais pas si les choses ont changé. Mais pendant ma première année, je vivais au campus. Et lorsque mes parents m'ont déposé au campus, j'étais ébloui. Ils disaient, oh enfin, je ne vis plus chez mes parents, maintenant je vis seul, j'ai ma petite chambre, j'ai ma petite voiture, j'ai mon petit argent de poche que mes parents vont m'envoyer chaque mois. J'étais très excité de commencer le lycée et de me faire de nouveaux amis. Et j'étais aussi content parce que pendant vos premières années à l'université, les gens prennent généralement les classes de matière générale. On prenait un peu de tout, les sciences, les maths, la littérature. C'est en deuxième année que j'ai déclaré ce que j'allais étudier. Et je voulais étudier normalement electrical engineering, mais l'école où je suis parti n'avait pas cette branche-là. Ils avaient les branches de physique, mathématiques, mechanical engineering. Si tu voulais faire le cursus pour devenir docteur, tu pouvais aussi faire ça. Mais moi, devenir docteur n'était vraiment jamais mon truc. Hein. Moi, je savais que je voulais être un ingénieur, plus précisément electrical engineering. Comme l'école où je suis allé n'avait pas cette branche-là, c'est comme ça que j'ai décidé d'étudier les physiques. Quand ils disaient aux gens que j'étudie les physiques, ils me regardaient comme un sorcier. Tiens, mais tu étudies les physiques? Mais ce truc-là, c'est dur comme chien. Et vraiment, c'était énormément difficile. L'université ici aux États-Unis est énormément difficile. Je sais qu'au pays, beaucoup de gens aiment penser que l'université à l'étranger ou bien aux États-Unis est facile. Mais non, si vous demandez aux gens qui ont étudié, obtenu que ce soit leur licence, que ce soit leur master ou bien leur doctorat, ils vous diront que ce n'est pas si facile comme les gens le pensent. Parce qu'ici, ce n'est pas seulement un système de mémoriser. Lorsque vous partez à l'université dans ce pays, vous comprenez le pourquoi le pays des Blancs est développé. Vous comprenez le pourquoi ce sont les gens qui construisent les avions. Vous comprenez le pourquoi c'est eux qui construisent qui viennent avec les designs des nouvelles technologies. Parce qu'on vous apprend à réfléchir. Ce n'est pas seulement du copier-coller, copier-coller ou bien mémoriser les formules. Alors, à l'université, ma première année, tout se passait bien. Ma deuxième année, je déclarais ce que j'allais étudier. Ça s'est passé aussi bien, mais je commençais à avoir un peu les difficultés. Et j'apprenais, surtout le dimanche matin, j'allais m'asseoir à la librairie, j'apprenais. J'apprenais, généralement, j'essayais toujours de faire mes devoirs de dimanche à mercredi soir parce que je savais que jeudi, j'allais être dehors pour fringuer. Et ça, c'est aussi, je veux aussi prendre cette année-ci pour dire aux parents, si vous avez des enfants, que ce soit votre fils ou bien votre fille qui est à l'université, de temps en temps, appelez-les, checkez sur eux, demandez-leur comment vont leurs études. Et même s'ils ne s'en sortent pas, essayez de causer avec eux. C'est que pour nous, parents africains, on aime toujours se vanter que nos enfants sont les plus sages, ou ils sont à la fac, ils doivent avoir les bonnes notes. Moi, lorsque j'ai gradué
l'université, je n'étais pas parmi les meilleurs élèves de ma classe. À un moment, tout ce que je voulais, c'était compléter mes études et obtenir mon diplôme. Je m'en foutais même de mes notes. Je disais seulement que look, je n'ai pas besoin d'être premier, je n'ai pas besoin d'être deuxième, mais je ne vais pas être non plus être dernier. Mais il faut que je complète mes études et j'obtiens mon diplôme. Parce que c'était tellement dur. Et il faut aussi tenir en compte que je travaillais. Je travaillais à temps partiel en allant à l'université. J'avais un boulot dans lequel je travaillais 20 heures par semaine pour payer mes petites factures, pour mettre du gaz dans ma voiture, pour avoir de l'argent, aller en boîte. Parce que l'université, ce n'est pas seulement étudier, étudier, étudier. C'est que c'est ce que nos parents rêvent, que non, mon fils étudie, étudie, étudie seulement. Mais gars, on faisait aussi la fête. Comme vous pouvez voir sur cette photo-là, lorsque le week-end arrivait, surtout jeudi soir, lorsque jeudi soir arrivait, c'était les boîtes de nuit, le club, sortir avec les amis, les restaurants, découvrir la ville, partir dans les conférences, voyager pour aller dans d'autres États. Donc, si vous êtes parent et vous vous dites que votre fils ou bien votre fille est seulement là à l'université, fermé dans sa chambre en train d'étudier, je ne vais pas dire que c'est tous les enfants, mais il y a 70% des chances que ce n'est pas seulement ça. Et un truc aussi qui est très commun sur le campus universitaire, c'est l'alcool, la boisson, surtout lorsque le week-end arrive. Les enfants se foutent d'alcool, boivent, sexe à gogo. Je sais que ce n'est pas seulement ici aux États-Unis, je sais aussi que c'est pareil au pays. Hein? Donc c'est un peu ça. Donc, une fois de plus, si vous avez vos enfants qui vont à l'université, qui sont les premiers à aller à l'université dans votre famille, essayez de les encadrer très bien parce que parfois certains enfants se perdent. Hein? Quand ils disent se perdre, c'est qu'ils ont des mental breakdowns parce que parfois l'école n'est pas facile à l'université, dépendamment de ce qu'ils étudient. Et aussi ne pas vouloir décevoir les parents est une autre chose d'où parfois les enfants craquent, surtout lorsqu'ils ont de mauvaises notes, parce qu'il y a une pression énorme à l'université. Et dans mon cas aussi, j'avais une pression énorme, comme je le disais, parce que j'avais une bourse complète et je ne voulais pas perdre ma bourse. Et c'est pareil pour certains élèves, donc ils ont leur bourse complète. S'ils n'ont pas certaines notes, ils doivent perdre leur bourse. Et lorsque vous perdez votre bourse, ça veut dire que maintenant, c'est vos parents qui doivent payer. Et lorsque certains parents n'ont pas cet argent, ça devient. Donc, il y a énormément de pression, que ce soit pression sociale, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vécu seuls hors de leurs parents. Il y a déjà pression d'avoir des bonnes notes. Malgré toute cette pression-là, comme je l'ai dit, je n'ai pas fini autour de ma classe, mais mon objectif c'était d'obtenir mon diplôme et de ne pas perdre ma bourse. Et je suis arrivé. Et un truc aussi, si vous êtes un élève et vous regardez cette vidéo, je vais vous encourager que lorsque vous allez à l'université, rassurez-vous que ce que vous allez étudier, lorsque vous allez sortir de l'école, ça là vous permettra d'avoir un très bon boulot. Parce que parfois, je vois les gens, ils vont à l'université, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent étudier, ils se disent, je vais figure it out. Ou bien pas, leurs parents sont seulement contents. Mon fils va à l'université ou ma fille va à l'université. Essayez de parler avec vos enfants, encadrez-les, essayez de voir quels sont les genres d'opportunités qu'ils auront lorsqu'ils quitteront l'université. Car moi, c'est ce qui m'a un peu donné plus de chance. J'ai les amis qui ont fini l'université avant moi. Et lorsqu'ils finissaient, leur premier boulot, ils étaient surpris qu'on leur proposait les 25 000 $ par an, les 30 000 $ par an. Ils disaient, mais what the heck? On m'avait toujours dit que si je pars à l'université, j'obtiens une licence, on va commencer à me payer 60, 70 000 $ par an. Cela n'est pas vrai pour tout le monde. Moi-même, lorsque j'ai obtenu mon degré en physique, mon premier boulot, on me payait 40 000 $ par an. Et je me rappelle encore lorsque j'ai obtenu cette lettre-là. On m'a dit, ton salaire va commencer à 40 000. J'ai écrit au directeur pour dire, mais 40 000, est-ce que vous savez que j'ai une licence? Ils m'ont dit, oui, mais tu as une licence, mais tu ne connais rien. C'est nous qui allons te former. Ah, ce jour-là, j'ai encore cette lettre-là jusqu'à nos jours. La lettre que j'avais écrite au directeur pour dire que, mais pensez qu'on disait que lorsque tu as une licence, on doit commencer à te payer à partir de 60 000. On m'a dit, non. Tu n'as pas d'expérience et aussi je n'avais pas fait beaucoup d'internships. Donc, c'est comme ça que mon premier boulot professionnel, lorsque j'ai gradué l'université, on commençait à me payer 40 000 $ par an. Je sais que pour une fois de plus, pour nos parents africains, c'est tu allais à l'université, tu vas finir l'école, tu auras le gros salaire. Ça vient avec le temps, maman et papa. Le gros salaire viendra, mais ce n'est pas direct là, là, là que tu sors de l'école. Quand tape un salaire de 100 000 $ sur la table. À part si tu es parti dans les écoles de Ivy League.
mais cela n'est pas applicable pour 70% des gens qui étudient. Si vous avez des frères ou des sœurs qui ont fait leurs études, qui sont partis à l'université, ceux qui ont obtenu leur licence, parfois demandez-les, grande sœur, grand frère, lorsque tu as obtenu ta licence, c'est quoi tu as étudié? Combien était ton premier salaire? Je sais que parfois les gens n'aiment pas trop parler de salaire, 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 surtout nous les Africains, je ne sais pas pourquoi, mais parfois c'est bien de poser ces questions-là. Donc ça, c'était un peu mon expérience à l'université et je me suis accroché, j'ai fini, j'ai fait pas mal d'amis à l'université et je suis content d'y être allé. Je sais que aussi de nos jours, il y a beaucoup de gens qui disent, oh, l'école ne sert à rien, tu n'as pas besoin d'aller à l'université. S'il y a une chose que je devrais refaire, si on me demandait encore de refaire cela, j'allais dire, et j'encourage à toute personne qui va à l'université, essayez de vous concentrer sur deux choses. Savoir comment très bien écrire et savoir très bien parler. Car s'il y a deux choses qui vont vous aider à avancer votre carrière professionnelle très rapidement, c'est la manière dont vous écrivez. Il faut être un très bon écriveur. Et c'est aussi la manière dont vous parlez. Les choses que je dis parler ce soir, les Américains disent ça, public speaking. Il faut savoir parler au milieu des gens. Il faut savoir être friendly, ne pas avoir peur, d'une manière respectable. Hein. C'est toutes ces grosses formules-là, de comment dériver les formules. La plupart des temps, il y a les softwares que vous allez utiliser pour faire cela. Ça ne veut pas dire que vous ne devez rien connaître. Hein. Ça ne veut pas dire que vous devez être idiot. Vous devez comprendre la méthodologie. Mais il y a les softwares qui, beaucoup de temps, vous aident les gens au boulot. Et lorsque tu sors de l'école, vraiment, ton premier boulot, on va t'apprendre tout ce que tu as besoin de faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous connaissez des gens qui sont pas, si vous avez fait vos études d'université ici aux États-Unis, dites-moi dans la section commentaire de comment ça a été. Dites aussi dans la section commentaire ce que vous avez étudié, combien était votre premier salaire lorsque vous êtes sorti de l'école. Et essayons d'éduquer la communauté en général qui étudie ici pour qu'ils prennent les meilleures décisions pour leur avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine.